On est en 2014, je considère qu'il y a d'autres façons de montrer effectivement ce qui s'est passé. Oh, hé hey, je me suis bien encore aujourd'hui. Maintenant, on va commencer sérieusement. La présence de l'administration. Ah non, ils ont mis des barrières parce qu'ils veulent freiner notre indignation. Le message est clair. Comme au temps de la colonisation, comme au temps de l'esclavage, c'est jamais le maître qui vient vous frapper, qui vient vous punir. Ils mettent des gens qui nous ressemblent, ils mettent des barrières. Et si jamais on décide de faire quoi que ce soit, vous voyez bien qu'on tombe. C'est servir son pays, c'est pas servir les blancs. Ouais, mais écoute la famille, moi je travaille pas ici, ici ça fait 15 ans que je travaille ici. C'est pas parce qu'il y a un spectacle. C'est pas lui, c'est pas lui. Ça fait 15 ans que je suis là. Lui il gagne sa vie, c'est pas lui. Bien sûr le frère, il fait son boulot. Voilà, comme a dit, ça n'a rien à voir. C'est pas lui, c'est pas lui. Il fait son boulot. Lui il fait son travail. C'est pas lui le responsable. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est derrière, c'est toutes les personnes qui viennent pas nous parler, qui nous ont méprisés. Ça fait depuis 81 jours qu'on lutte. On a fait des courriers, personne nous a répondu. On a contacté des personnalités censées nous représenter. Ils nous ont dit, mais non, vous comprenez pas. Vous pouvez pas comprendre. Vous êtes trop dans la sensibilité. Comment ça, aller trop dans la sensibilité? Il faut être historien pour savoir les choses. Il faut être artiste. Non, la rue a dit non. La rue a dit non. Les lieux diront non. La rue, elle comprend. Elle sait ce que c'est la souffrance. Parce que la souffrance des afrodescendants, on l'a dans notre histoire. On sait ce que c'est. Ça nous brûle. Ça nous fait mal au cœur. Voilà. C'est ça. C'est ça. Là, pour aller au-delà de ce débat d'idées d'historien. L'art n'est pas sorti du contexte politique dans lequel il est. La France est un pays raciste. La France est un pays où 90% des metteurs en scène sont des hommes blancs. 90% des metteurs en scène sont des hommes blancs. Le gros des structures théâtrales sont dirigées par des hommes blancs. La parole est blanche. Le regard sur l'histoire noire est blanche. Donc non, c'est pas enlevé. L'art n'est pas sorti de la société dans laquelle il est. En fait, c'est fait pour les blancs. C'est un spectacle pour les blancs. C'est un spectacle qui ne plaît qu'aux blancs, d'ailleurs, dans la grande majorité. Hein, parce que ça interroge le rapport colonial. Les blancs se sentent soudainement en train de regarder cette histoire qui n'est pas passée. C'est un blanc qui met ça en scène ici aujourd'hui. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de marron aux artistes? S'il n'y a pas de marron au TGP, ça veut dire qu'il n'y a pas de marron sur les blancs. Non, c'est votre travail. Comment vous faites pour ne pas connaître les auteurs noirs en 2014 en France? Comment vous ne pas connaître les dramaturges? Maryse Condé, ça ne vous dit rien? Kofi Boahoulé, ça ne vous dit rien? Eh bien alors pourquoi c'est pas ici? Non. Ah, il n'y a pas que ça, mais quand il s'agit de parler de ça, c'est des blancs qui montent les pièces. Il a vu tous les jours, ils prennent le métro. Ils prennent le métro. Mais vous vivez où, vous? On est partout, hein. On est au quotidien en train de nettoyer votre mère, de vous servir au fast-food, de faire des trucs. Vous avez besoin d'exotisme, mais prenez le métro et allez dans le Pérou. C'est quoi ce truc? Vous êtes confronté à votre histoire coloniale tous les jours. Je suis devant vous, vous êtes là, en train d'avoir la parole de l'État. Vous êtes blanc, vous êtes devant le théâtre, vous avez des noirs qui vous disent, bien sûr que vous devez excuser d'être blanc. Vous appartenez au pouvoir colonial. Qui est-ce qui a le pouvoir aujourd'hui? C'est vous. Et qui est-ce qui vient vous dire qu'ils en ont marre de ne pas avoir la parole? C'est nous. Et qui est du côté de la barrière avec les gens qui le protègent? C'est vous, le blanc. Bien sûr que le pouvoir est blanc, et bien sûr qu'il y a un problème avec les blancs, et bien sûr que vous ne pouvez pas vous interroger là-dessus. Mais pour aller directement, pour aller clair, vous êtes que entre blancs pour aller voir des noirs en train de s'exposer à un esclavagisme. C'est comme ça que vous luttez? C'est comme ça que vous luttez? C'est comme ça que vous luttez? Mais on s'en fout de votre manif de sans-papiers, arrêtez de vous dire. Chaque cas est différent. Aujourd'hui, vous êtes en train de financer. On ne veut pas de votre manif de sans-papiers, on n'a pas besoin de vous. Des gens comme vous, on n'a pas besoin. C'est vous qui êtes raciste, vous le savez. Allez, mais bien sûr. C'est n'importe quoi. Vous êtes contre blanc, regarde. Vous êtes contre blanc, regarde. Non, 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 hey, au racisme.
avec le mot. Mais pourquoi ils sont violents? On n'est pas responsable de la violence, on a été non violents. On est d'accord, mais malheureusement, regarde, toi, t'es, vous êtes floqué. Parce que non, non, la personne va être là, malheureusement. Moi, je vous connais, les gars. Non, non, non. Faites attention à qui vous accompagne, c'est ça qui est dommage. On n'est pas responsable de qui vous accompagne, une manifestation, c'est ouvert, les gens peuvent venir. Ok, mais malheureusement, vous allez voir. À bas les gens humains! À bas! À bas! À bas les gens humains!